L'effet d'optique, elle engendre souvent des féeries d'images et de couleurs dont vous allez pouvoir vous rendre compte dans cette émission. Thank you.
Quoi? No, I've got a bulb. Never mind, everybody. Look. Thank you.
Thank you.
from Pat Ben. Well. Elle est là. Elle est là, notre Mick, avec ses pattes à modeler. Mais je suis là. Bon. Ça t'embête pas que je vienne voir à côté de toi? Viens, mais venez au contraire. Attends, je vais me bouger un peu. Au début, moi, je vous avais fait voir des volumes. Hein? Moi, il faut m'expliquer, je comprends. C'est-à-dire un rond, un autre rond, petit aile, petit œil, petit... Hein? Tu te rappelles? Petit poussin. Parce qu'elle aussi, elle étudie. Donc, nous en étions à des surfaces. Elle est bien docteur. Apprends. On en était à ça, voilà, hein, pour faire un petit poussin. C'était deux formes géométriques, l'une sur l'autre. Bon, autrement dit, un petit poussin, souvenez-vous, c'est ça, c'est une photo, ça. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, parce que c'est bien petit. Voilà, hein, voilà, un petit poussin, un vrai. Alors maintenant, j'essaie de vous apprendre, allez mes élèves, bon, avec des volumes. Vous voyez, je vous ai fait un petit poussin. C'est les poules qui font des poussins, mais une fois, c'est moi la mère poule. Je vous ai fait en volume... Un petit poussin qui correspond bien, effectivement, avec à deux cercles, si c'est plat, et deux sphères, puisque nous faisons en volume. Alors, on va faire en vitesse, hein, on va faire en vitesse un petit poussin, une forme en œuf. Hein, vous voyez, la terre glaise que je vous avais dit, tellement modelée. Alors, ça, c'est le corps. Vous voyez, le corps est... Bien, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Eh bien, on a plein d'élèves aujourd'hui, tout de la jeunesse comme vous. D'abord, on a trois petits chatons. Il y a deux petits mâles, je crois, et une femelle. Ils n'ont pas de nom, c'est à vous de les baptiser si vous venez les chercher, comme d'habitude, rue Cognac-G au studio 1, pendant l'émission. Est-ce qu'on les a bien vus, les petits chatons? Ils sont pas beaux? Alors, ceux-là sont un peu angora. Ça va être de la même portée. Vous voyez, ils ont le poil un petit peu plus long. Et celui-là, c'est une autre portée, là. Alors celui-là, c'est un tigré. Voilà. Ils sont tout mignons. Et alors après, nous avons deux petits mâles, deux petits chiens qui sont tout beaux. Regardez-les. Alors lui, c'est un springer croisé de quelque chose. Et celui-là, c'est un petit setter. Mais nous avons deux autres chiens. On a encore un autre chien. J'aime mieux vous les faire voir tout de suite. Viens, viens mon toutou. Et celui-là, c'est vraiment un cas malheureux parce que, voyez-vous, ce chien était hier dans un magasin où nous avons un stand SPA. Il a été adopté hier et aujourd'hui, il a été abandonné. Et on nous l'a ramené, on nous l'a retrouvé. Il a été trouvé dans la rue. Alors, c'est un chien très, très gentil et contrairement à ce qu'on s'imagine, mais les chiens s'en rendent compte quand on les abandonne et ils sont vraiment malheureux. Ah, et puis, il aime bien les chats, d'ailleurs. Hein, mon titi? Alors, vous voyez, dans le fond, on profite de l'occasion pour vous reparler encore et toujours de cette question d'abandon, car l'égoïsme humain n'a pas de limite et on ne s'occupe pas de savoir si un animal est malheureux ou s'il n'est pas malheureux. Car en fait, lorsqu'ils sont abandonnés, ils sont malheureux et on ne s'en préoccupe pas. Et c'est un grand problème qui va être d'actualité de plus en plus, car c'est la veille des vacances, c'est les départs. Et là, il y a de nombreux problèmes dont nous pourrions vous parler. Tout d'abord, la SPA peut vous communiquer des adresses de personnes qui peuvent vous garder un animal à titre individuel et personnel et en échange peut-être d'une garde éventuelle réciproque. Donc, lorsque vous téléphonez
au siège de la SPA boulevard Berthier, on va vous passer le carton tout à l'heure, ou au refuge, on essaiera de vous donner des adresses qui puissent vous être utiles pendant les vacances. Néanmoins, en ce qui me concerne, je vous conseille d'essayer de faire toutes les tentatives possibles pour emmener vos animaux préférés avec vous et ne pas les laisser en pension, car pendant les vacances, c'est le moment où vous pouvez profiter le plus de vos amis, familiers, et eux aussi peuvent profiter de votre présence et de votre amitié et de votre fidélité. Vous aviez quelque chose d'important à nous dire, docteur, aujourd'hui. Et oui, j'avais quelque chose de très important à vous dire, car c'est un problème d'actualité. Il y a 2 semaines, nous vous avons parlé d'un cas très malheureux d'un berger qui avait blessé un enfant, gravement blessé un enfant. Aujourd'hui, nous donnons des félicitations à un berger policier qui n'a que 7 mois, qui s'appelle Diane. Et Diane a prévenu son maître, Monsieur Renard, dans un grand immeuble d'Argenteuil, de quelque chose d'anormal qui se produisait. Et il se produit la chose suivante, qu'il y avait une fuite de gaz très importante, et du fait de ses gémissements, son maître s'est douté de quelque chose, a prévenu les pompiers sont intervenus, et on a sauvé de nombreuses vies humaines grâce à cet animal. Et dans ce même immeuble, il y a eu une catastrophe l'année dernière qui a coûté 18 morts humaines. Docteur, vous pourrez peut-être nous reparler de ça tout à l'heure. Maintenant, il est l'heure pour nos jeunes amis de regarder l'émission Déclic. Vous avez tous certainement joué avec des boîtes en carton ou même en fer. Et vous allez voir qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé encore. Il est adopté. Ça y est? C'est Gloria Lasso qui vient d'adopter. Eh ben dis donc. Eh bien, vous voyez, on a de la chance. Et Gloria Lasso, c'est une grande amie des bêtes. Voilà. Aujourd'hui, on va jouer avec de la camelote. Thank you.
surprise. Hein. Thank you.
Thank you.
Il nous reste toujours 3 petits chats. C'est-à-dire que... On en avait 4 à vrai dire, voilà. Pour tout vous dire, on en avait 4, donc il y en a un qui était adopté. Et maintenant, il nous en reste encore 3. Encore 3. Au revoir. Aujourd'hui, l'émission concerne les boîtes. Ah!
Thank you.
Thank you.
preuve, peut-être.